Alors le festival de Cannes 93 aura-t-il lieu en septembre? Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Charles Bronson, New York, à toi de jouer. C'est de l'info. Tu dis que c'est de l'info, toi? Bon, et pourquoi? Pourquoi? Parce que je j'habite Cannes. Ouais. Je crois l'avoir lu sur la presse. Là-bas, dans la presse de Cannes. Cannes, t'es bien placé pour le savoir. Oui. Et toi, Bronson Far West? Moi, je dis que c'est de l'intox. Tu dis que c'est de l'intox? C'est de l'intox, parce qu'il y a le festival de Deauville qui est très rapproché. Ouais. Il me semble que ça fait un peu trop de... Mais je peux le dire maintenant, Jeanne m'a dit que c'était de l'info. Alors on va savoir, on va écouter notre expert, Philippe Guérin. Eh bien mon cher Thierry, avant de donner la réponse, je voudrais demander à Jeanne Moreau de nous accorder une petite faveur. Jeanne, est-ce que vous accepteriez, si vous n'avez pas tout bon à toutes les réponses, de faire pour nous un petit gage, ok? Oui. Est-ce que vous pourriez nous chanter un petit couplet d'un de vos airs dont je suis un fan et à mon avis je ne suis pas le seul, d'accord? D'accord. D'accord. Alors voici la réponse, c'est de l'intox. Oh, bravo! J'ai perdu! Voici quel est le score. Le score, ça fait 1-0 pour le cow-boy. Ah, 1-0 pour le cow-boy. Bravo, on l'applaudit! Bravo! Philippe, tu as un commentaire à faire là-dessus, tu peux nous expliquer? Oui Thierry, c'est de l'intox, encore que les producteurs américains et les distributeurs de films font pression sur les organisateurs pour que le Festival de Cannes soit déplacé de mai à septembre. Mais rassurez-vous, j'ai eu personnellement en ligne François Erlenbach qui est le secrétaire général du Festival de Cannes. Il n'est plus du tout question de déplacer le festival de mai à septembre. Une fois seulement la France avait accepté de faire plaisir, c'était en 1939 pour le premier festival, à la demande pressante de nos amis allemands, nous avions dû attendre 7 ans avant d'avoir le premier festival. Mais rassurez-vous, c'en est fini des pressions. On applaudit. Bravo. Je crois que vous allez vous refaire d'ici la fin de l'émission. Peut-être. Alors, Jeanne, quand vous parlez de vos échecs dans les interviews, vous parlez toujours de la nuit de l'iguane. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben, ce qui s'est passé... Ça a l'air de vous avoir marqué, en tous les cas. Bah oui, parce que ça m'est pas tellement arrivé, souvent. Oui, c'est ça. Et il y a très peu de critiques dramatiques en Amérique. Et c'est le critique du Washington Post qui est venu, sans être invité, qui a écrit tout de suite le papier, mais qui était désastreux pour tout le spectacle, pour tout le monde. Ouais. Et bien sûr, moi, qui jouais un rôle très important. Et après quelques jours de réflexion, je lui ai envoyé un mot pour le remercier. Enfin, j'étais pas à la hauteur, quoi. Maintenant, tout va bien. Je veux dire, depuis la rentrée, vous avez une presse dithyrambique là, sur vos trois films. Est-ce que l'avis de la presse vous touche? Elle me touche pour le destin du film. Mm-hmm. Mais au moment où je fais les choses, et même après que je les ai faites, j'ai une espèce de voix intérieure, j'ai un juge suprême. Et je sais s'il y a quelque chose qui cloche ou s'il y a quelque chose qui est vraiment exact. Mm-hmm. Et sincère, et si j'ai donné le meilleur de moi-même. Donc, c'est important et ça ne l'est pas. Et la vie des gens autour de vous? Certaines personnes, qui sont un peu déchues, oui. Mmh. Alors, tu avais demandé dans la rue à des gens ce qu'ils pensaient en sortant d'un film qui s'appelle La vieille qui marchait dans la mer. Laurent Baffy, costard de star. Avez-vous trouvé Jeanne Moreau dans ce film? Pareil à elle-même, elle est toujours sympathique, elle joue très bien, elle est formidable. Quelle est la scène que vous avez préférée? Oh, tout en général, je ne peux pas. Je peux vraiment... Il n'y a pas de longueur. Voilà. Est-ce que ça vous a choqué, la scène d'amour entre le moine trappiste et l'iguane géant? Non, pas. Ça a choqué beaucoup de monde. Ah bon, bah, non, moi pas. Et lorsque le shérif fait l'amour au chef indien, il y a un symbole pour vous? Oui, oui, bien sûr. Lequel? Il y a... enfin, je sais pas, il y a l'amour, une attirance mutuelle, enfin... Vous avez pleuré à la fin du film lorsque Bambi dénonce sa mère aux Allemands? Bien sûr, il y a toujours une petite émotion. Hein. Quelle est la meilleure scène du film, à votre avis? La meilleure? Bah...
vers le début quand... Quand j'ai pas vu le film. Attends, coupe, non, tu peux pas. Attends. Non, n'importe quoi. On reprend. Quelle est la meilleure scène du film à votre avis? La meilleure scène du film? Quand il l'embrasse. Quelle est à votre avis la plus belle scène du film? Mais au début, quand on la voit qui marche. Non. Ah merde. Quand le troupeau d'éléphants rentre dans le Sacré-Cœur sur la musique du dernier 45 tours live de Jean-Jacques Lemaire, ça vous a plu cette scène? Oui, mais je trouve que ce sont des situations extrêmement improbables. Et quelle est la cascade que vous avez préférée? Là? La cascade. La cascade? Quand il se jette du vide. Quand il se jette dans le vide, oui. Ça, ça a été... Dans les séquences. Dans la séquence. Quand ça? C'est quand ça? Vers la fin, quand il se jette avec la voiture. C'est un film en costume d'époque, il n'y a pas de voiture. Non mais attendez, qu'est-ce que vous me racontez là? Si c'est pour me raconter des conneries, c'est pas la peine, je veux dire. Mais je n'ai pas vu votre film. Alors pourquoi vous m'en parlez si vous l'avez pas vu? C'est insensé votre comportement. Vous m'avez dit au début, vous. Quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit? Mais c'est insensé ça, vraiment. Hein. Les gens veulent parler de tout sans jamais rien avoir vu, hein, vraiment. Laurent Baffie, le star de star. Vous voyez? Les gens sont prêts à dire n'importe quoi, donc rassurez-vous, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un de vos films, d'accord. Si c'est du bien, vous le prenez, si c'est du mal, vous laissez tomber, ouais. Vous voyez. D'accord. Alors, vous connaissez la Terre entière, et je vais vous faire une interview wouzou, c'est-à-dire que je vais vous citer des noms de gens, ah oui, c'est terrible ça, mais pas pour vous fâcher obligatoirement. Faut pas gagner. Non, il n'y a rien à gagner. Bon, d'accord. C'est nous qui gagnons à vous écouter. Hum. Alors, je vais vous citer des noms de gens, et vous réagissez. Par exemple, Louis Malle. Je l'aime. Vous l'avez beaucoup aimé. Oui. Vous l'aimez toujours. Toujours. Vous croyez que... Vous avez fait d'abord Ascenseur pour l'échafaud avec lui. Et Les Amants. Et Les Amants. Eh bien, on a fait deux autres films ensemble. Ensuite, on va en parler. Mmh. Mais est-ce que vous auriez fait les Amants si vous n'aviez pas été, excusez-moi, amant avec lui? C'est quand même très... Non, pas du tout. Vous l'auriez pas fait, vous l'auriez fait? Bah, ça n'aurait pas été possible sans lui et sans moi. Mmh. Après, vous avez fait Viva Maria. Mmh. Et là, il y a eu un peu des problèmes parce que... On peut le dire maintenant, il y a prescription. Bardot, quand même, je faisais un peu chier, quoi. Sur non, il n'y a pas vraiment eu de problème. C'est vrai qu'elle était un peu chiante. Ouais. Mais c'était vécu, en tout cas par moi, tout à fait bien. Ah, par vous, oui. Oui, non, mais parce qu'il y avait tous ces journalistes, tous ces photographes autour, et ce qui comptait pour les médias, c'était la rivalité. C'était... Alors que rivalité, il n'y en avait absolument pas. Mmh. Mais quelquefois, c'était emmerdant d'attendre 8 heures, 9 heures, une chaleur de plomb. C'était pas toujours... Alors, je lui demandais de me prévenir quand elle ne se réveillait pas, mais c'est difficile de le savoir. Non, puis lui, il s'occupait plus d'elle, parce qu'avec vous, il savait que c'était réglé un peu. Donc, non, il donnait beaucoup vraiment. D'attention à elle, quand même. Non, non, il le faisait parce qu'il la sentait beaucoup plus fragile. Mmh. Il la sentait beaucoup plus fragile. Mais c'est vrai que quelquefois, je ne le prenais pas très bien, de sa part à lui. Orson Welles, vous l'avez connu en quelle année? Oh, j'ai connu, je débutais presque, je l'ai connu à la Comédie Française, ça devait être en 1951, et ben, je l'ai suivi toute sa vie. Il était mince à l'époque? Il n'a jamais été très mince, il était bel homme. Et puis, j'ai jamais pensé à sa corpulence. Après, je me suis pas inquiétée, un petit peu inquiétée, mais c'était... à cause de sa fragilité, de sa santé, et lorsque je le sentais malheureux, mais je l'ai toujours trouvé beau. C'est vrai qu'il n'aimait pas qu'on le voie manger. Non, il n'aimait pas ça. Pas qu'un jour, vous l'avez surpris en Espagne en train de manger du cochon de lait. Oui, d'un cochon de lait entier qu'il avait devant lui. On m'avait donné une adresse à côté de Madrid, et j'y suis allée avec un ami. Il n'y avait personne et on nous a proposé différentes salles, une sorte d'auberge. Et puis j'ai ouvert une porte et Orson était là. J'ai vu qu'il était furieux, j'ai fait comme si je ne l'avais pas vu. Et un jour il vous a proposé de tout quitter pour le suivre aux États-Unis, vous n'êtes pas parti. Tout quitter, il voulait payer le dédit de la Comédie Française. Buñuel. C'est un homme que j'aurais pu aimer follement s'il avait été un peu plus jeune. Remarquez, son âge ne me gênait pas, mais ça le gênait lui. Alors je lui disais que j'aurais aimé qu'il soit mon père. Et lui me disait que j'avais tort, parce qu'il aurait été absolument tyrannique, il m'aurait sûrement enfermé dans un placard. Il vous aurait pas laissé faire le cinéma? Non, sûrement pas. Un peu comme votre père. Oui, mais mon père pour de 13 ans, il trouvait que c'était dégueulasse. Mais c'est vrai que Buñuel vous racontait ça, quand il était petit, vous dites qu'il était sensible, mais pas sentimental.
Oui, c'est très important. Oui, et que quand il était petit, pendant qu'il travaillait, il mettait du sparadrap sur la bouche de sa sœur. Mais pas quand il était petit, quand il était grand. Ah bon? Mais dis donc. Oui. Quand il était grand, quand il travaillait avec Jean-Claude Carrière, et il mettait du sparadrap sur la bouche de sa sœur parce qu'elle était trop bavarde. Bah dis donc. Alors, vous avez travaillé dans Nikita avec Besson, et vous êtes assez fasciné par sa recherche du Graal, ce que vous appelez sa recherche du Graal. Oui. Oui, parce qu'il est obsédé comme tous les hommes dont nous avons parlé. Mais peut-être d'une façon parce qu'il est plus jeune et qu'il appartient à cette époque dans laquelle nous vivons. Ça n'est pas détourné ni par la littérature, ni par un art plastique. C'est cinéma, cinéma, cinéma. Et quand nous avons travaillé ensemble, j'ai tourné quoi, 15 jours dans Nikita. Je me suis amusée parce qu'il s'amusait absolument, follement. Il faisait refaire les scènes. Tu peux me le faire un peu comme ça? Ah, puis si on essayait comme ça, un peu plus triste, un peu plus gai, plus lent, plus rapide. On sentait que ça pouvait durer, durer. Vous, ça. Vous pardonnez tout au réalisateur. Au appelez... fou, obsédé, oui. Oui, tout. Vous appelez ça des particularités pour ne pas dire des défauts. Oui, oui, il n'y a, ouais, a pas de défaut. Alors Gérard Philippe, en un mot. Ah, j'étais tellement en extase, béate, qu'il m'est arrivé d'oublier mon texte. Ah oui. C'est embêtant, hein, dans... Quand on est comédienne. Ben oui, et puis surtout dans Le Prince de Hambourg, avoir un trou dans la salle, dans la cour du Palais des Papes, c'est... Mais il y a le vent qui passe. Gabin, vous avez tourné avec lui? Gabin, oui. Ah, mais moi j'aime tous les hommes avec lesquels j'ai travaillé. Lino Ventura, vous avez travaillé avec lui? Oui, dans Le Grisby. Ah oui, dans Le Grisby aussi. Et puis j'ai fait un film, alors là, celui-là, j'ai oublié le titre. Ah bon, vous préférez l'oublier? Non, pas du tout. Vous savez qu'il était catcheur, Lino Ventura, avant? Oui, je sais. Mais on va voir une histoire de quelqu'un d'autre dont il paraît qu'il aurait été catcheur. On regarde. Ok. Le vrai faux journal, la suite. Bonjour. En bon gros jovial, il joue à nous amuser chaque midi. Et pourtant, sous son aspect bon enfant, le journaliste Claude Villers cache bien son jeu. Mais pourquoi tant de haine, Claude Villers? J'étais un petit garçon gros qui, bien sûr, se faisait chahuter à l'école. Alors sans arrêt, c'était la patate, la grosse et tout. Et un jour, je me suis dit, il m'ennuie, pour être poli, je vais leur casser la gueule. Et pour faire les choses à fond, il est devenu catcheur professionnel. On arrivait sur scène avec... sur scène, pardon. On arrivait sur le ring, excusez-moi. On arrivait sur le ring avec le blouson noir clouté, la chaîne de vélo à la main, etc. C'était la grande époque du catch. Claude Villers faisait trembler la France. De 1958 à 1961, il fut l'un des quatre frères masqués d'une troupe de catch ambulants. Fait marquant, il a toujours joué le rôle du méchant mal-aimé. Mais pourquoi, Claude Villers? Vous savez, c'est le drame des gros. Ah, le gros, c'est celui qui reçoit les poupées dans le cul, la tarte à la crème dans la figure. Ah si, c'est le cocu, c'est tout ça, un gros. Retournant pour la première fois depuis longtemps dans un gymnase, il retrouve ses anciennes amours et égrène ses souvenirs d'anciens combattants. Toujours en activité. Ce que je sais, c'est que Chéri Bébé, en revanche, a terminé sa carrière comme receveur des postes, ouais, à Cannes. Il médite aussi sur les enseignements qu'il en a tirés. Ça fait partie du rêve. Le catch, c'est... Pour moi, c'est une manière de raconter des histoires, d'abord. Moi, j'aime bien raconter des histoires. Ça a été une université à moi. Journaliste puis animateur de radio, les histoires, il en raconte tous les jours depuis presque 30 ans, avec entre autres le tribunal des flagrants délires et son vrai faux journal aujourd'hui. Une belle carrière qui laisse quelques regrets à certains. En petit poids comme il était, ça aurait fait quelque chose, oui, c'est sûr. Alors, Claude Villers, catcheur, avant d'être journaliste, est-ce de l'info, est-ce de l'intox, Jeanne Moreau à l'oreille. Oui. Alors maintenant, pendant que nos amis Bronson et Bronson réfléchissent, pendant que vous, chez vous, vous cherchez pour savoir si c'est de l'info ou si c'est de l'intox, nous, on va se faire très plaisir, on va écouter Jeanne Moreau. Qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine leutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait
je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais, l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien de quelle couleur étaient ses yeux, je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert, était-il gris, était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui? On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi, on est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Alors maintenant, Claude Viller, catcheur avant d'être journaliste. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox? C'est à toi de jouer, le Bronson version Far West, à ton avis? Je dis que c'est de l'info. Tu dis que c'est de l'info, toi? Ouais. Et pourquoi? C'est-à-dire, je joue un peu sur les probabilités. Ah! Ah, c'est le premier que je vois faire ça, là, jusqu'à maintenant. Et toi, alors? Également, je dis que c'est de l'info. Et vous m'avez dit que c'était de l'intox. Ah, je suis inquiet, là. Pour moi? On va voir. Philippe, est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Ma pauvre Jeanne, on a déjà un couplet, je crois qu'on en a deux. Puisque c'est totalement de l'info, on applaudit. Ah, Claude Viller était catcheur. Bravo. Avant d'être journaliste, Claude Viller. Alors, quel est le score, Laurent? 2-1 pour le cow-boy. Bah dis donc, hein? Philippe, est-ce que t'as un commentaire à faire? Eh oui, c'est de l'info. Claude Viller n'a pas vraiment un physique de patineur artistique. Il est la preuve vibrante et vivante qu'il ne faut pas forcément coucher pour arriver dans ce métier, n'est-ce pas, Baffy? Philippe Guérin. Jeanne, c'est pas pour dire, mais... Oui. C'est deux fois que vous vous trompez quand même. Ben oui, mais c'est bien de perdre de temps oui. en temps. Hein. Hein? Est-ce que vous êtes riche? Non. Vous avez rien là? Vous avez quoi? Oh non, j'ai pas grand-chose. Je vis avec ce que je gagne au jour le jour. Ouais. Quand vous avez vendu votre propriété du Pré-Verger à la Garde Freinet, ouais. 60 hectares quand même, vous avez bien touché de l'argent à ce moment-là. Mais non, mais j'avais des dettes. Aïe, aïe, aïe. Puis je venais de divorcer, et contrairement à ce qu'on pense, un divorce américain, ça peut coûter cher. Ça vous a coûté de l'argent? Ça m'a pas rapporté des sous du tout, au contraire. Et dans ces moments-là, quand vous aviez vraiment besoin d'argent, est-ce que vous avez pensé à faire la publicité, à... Non. Non, j'ai fait des émissions de radio, Radio Monte-Carlo. J'ai raconté la vie des stars, je voyageais beaucoup, c'était assez étonnant d'ailleurs. C'était une période où j'avais pas un rond, j'avais même pas de quoi prendre un taxi. Il y a pas tellement longtemps, c'était en 80. Et j'étais invitée partout. Alors on faisait un hommage à Jeanne Moreau à San Francisco, un autre à Chicago. J'étais invitée à Boston, je voyageais en première classe. J'étais habillée par les grands couturiers qui me prêtaient des vêtements. Et j'étais logée dans des palaces. Et heureusement que j'avais des amis ou qu'on m'invitait à dîner, mais je pouvais sortir. Quand vous descendiez de l'avion, vous n'avez plus d'argent? Non. Mais la vie est formidable. Parce que j'ai trouvé sur mon chemin où des gens sont venus à ma rencontre. Et je n'ai jamais désespéré. Il y avait toujours quelqu'un qui me donnait 100 francs ou 500 balles. Et ça s'est toujours bien passé. Ben ça vous honore parce que c'est pas le cas de toutes les stars. On va voir le magazine du faux, les arnaques de stars. C'est l'histoire d'arnaques aussi célèbres que leurs auteurs. L'histoire de stars qui pensent que plus on est riche et célèbre, et plus on en veut pour alimenter son compte en Suisse. Pour cela, tous les moyens sont bons, mais les ethnologues vous le diront, comme dans la mafia, chaque clan a ses spécialités. En hors d'œuvre, voici le gris-gris qui rapporte avec Daniel Gilbert.
Elle avait troqué sa vraie candeur de belle-fille idéale pour devenir marchande de bagouses pharaoniques aux pseudo-propriétés euphorisantes. Guy Lux, lui, proposait ses lumières aux amateurs du loto, des chiffres permettant de décrocher le gros lot dans un délai de 6 mois. Les numéros en question étaient choisis par un ordinateur. L'Union départementale des consommateurs des Alpes-Maritimes n'a pas apprécié, inculpation. Un peu de piment maintenant, avec le recel d'objets d'art volés, ces moustiques, ex-chanteur de rock des années 60, reconverti dans la brocante. Vous n'en pouvez plus, vous avez besoin d'un petit régime, ne vous adressez pas à l'illusionniste Dominique Webb, il n'a réussi ni à faire maigrir les dodus, ni à hypnotiser son juge. Voici maintenant les sportifs du trafic, ou plutôt les trafics des sportifs. Convaincu de trafic de drogue, Diego Maradona s'est enfui vers son pays, l'Argentine. Les Napolitains ne veulent plus entendre parler de leur ancienne idole. Un comble, dans la capitale italienne, de tous les trafics. Enfin, le dessert. Voici les sportifs qui passent par la case prison sans même avoir touché un centime. Comme Mike Tyson, par exemple, qui n'aurait pas hésité à violer la concurrente d'un concours de beauté. Heureusement, l'Amérique, qui n'est pas rancunière, l'a laissé sortir pour jouer son dernier match, car le public, qui a toujours adoré les stars et les voleurs, les aime encore plus quand ils sont les deux. Bravo, le magazine du faux, les arnaques de stars. Voilà ce qui vous aurait pu vous arriver. Si vous n'aviez pas votre rigueur naturelle. Alors il y a un autre film que vous avez tourné, qui s'appelle Anna Karamazov. Vous l'avez tourné à Moscou et à Leningrad. Oui. Est-ce que vous, comme beaucoup d'acteurs de votre génération, vous avez été tenté à un moment par le communisme? Jamais. Vous n'avez jamais Mais cru. Aucune idéologie. Oui. Vous n'avez jamais cru? Mais non. C'est votre papa qui vous avait donné cette éducation, qui vous avait dit de vous méfier ou... Oh, pas du tout, pas du tout. C'est peut-être justement, mon père était restaurateur. Oui. Il avait un café, c'est peut-être à force d'entendre les conversations... De bistrot. De bistrot que... Non. Jamais, vous n'avez jamais été effleuré par ça, vous? Non, c'est du bourrage de crâne. Et à l'époque, quand vous voyez, je sais pas, Yves Montand, Signoret, qui partait en URSS, ça vous... Je sais pas, vous les trouviez ridicules, vous aviez envie de leur dire de ne pas y aller Non, 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 puisque je ne suis pas militante. Mm. D'ailleurs, pendant très longtemps, j'ai eu un sentiment de culpabilité, de ne pas être aussi tranchée, de ne pas avoir des avis sur tout. Ouais. Et puis le privilège de l'âge, c'est que maintenant, je peux dire franchement, ouvertement, que non. Mm. L'histoire vous a donné raison, en quelque sorte. Oui. Est-ce que vous pensez, puisqu'on en parle régulièrement dans la presse, est-ce que vous pensez que la monarchie représente un avenir pour ces pays-là, quand on voit le roi de Roumanie qui essaye de revenir, le roi de Bulgarie, le roi de Yougoslavie, le grand-duc qui va à Leningrad? Est-ce que vous croyez que c'est un avenir ou vous croyez que ce sont encore des séquelles et des scories qui traînent dans la tête des gens? La connaissance que j'ai du monde, c'est que rien ne recommence jamais. Mm-hmm. Mais je ne peux pas répondre sur ces choses-là. M'en regarde alors. D'accord. En 1919, le traité de Trianon rend son indépendance à la Slovaquie. Bratislava s'affranchit de la tutelle tchèque avec à sa tête Karl III, descendant de la dynastie des Téchènes, qui a fait fonder au IXe siècle l'État slovaque. Karl III reste au pouvoir jusqu'en 1938, où il est chassé de son pays par Monseigneur Tiso, un proche des nazis. L'héritier au trône, Antonin Ier, naît en exil en 1951 à Paris, où il vit toujours en cultivant la nostalgie de son pays. Oui, effectivement, mon premier souhait serait de visiter tout simplement mon propre pays que je n'ai jamais vu, d'aller à la rencontre des gens. Tout simplement, un souhait comme quelqu'un qui est expatrié et qui voudrait voir de là où il vient, où sont ses racines. Le projet de visite devient affaire d'État, comme à Bucarest, où Michel de Roumanie a été refoulé dès son arrivée. Prague refuse d'accorder tout visa à Antonin Ier. Vaclav Havel l'a encore rappelé dans une déclaration le 2 novembre dernier. Le retour d'Antonin Ier représente une réelle menace pour l'unité tchécoslovaque et une vision réaliste des faits nous amène à penser que les sentiments nationalistes slovaques sont développés par d'anciens dirigeants communistes. Le peuple slovaque a aussi envie d'exister. Donc d'une certaine manière, le peuple slovaque a trouvé dans le prince Antonin une figure emblématique qui pourrait servir de porte-drapeau finalement de cette mémoire collective. La famille des Téchènes incarne la résistance slovaque, toujours vivace vis-à-vis des Tchèques. Témoin les 14% de suffrages recueillis par le parti monarchiste slovaque aux dernières élections, même si le prince Antonin n'a pas de projet politique. Enfin, distinguons, n'est-ce pas le rêve d'enfant? Oui, enfant, je me suis imaginé en roi. Maintenant, sérieusement, il est un devoir pour moi, au cas où les Slovaques le souhaitent,
de les aider. Je veux dire, n'importe quel citoyen le ferait. Tout comme Alexandre de Yougoslavie ou Siméon de Bulgarie, le prince Antonin n'est pas un putschiste. En attendant l'appel de son peuple, il rêve simplement d'un bain de foule parmi les siens. Voilà le prétendant au trône de Slovaquie, interdit de séjour par Václav Havel. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Jeanne Moreau à l'oreille. Oui. Alors maintenant, pendant que nos amis Bronson et Bronson réfléchissent, pendant que vous, chez vous, vous cherchez pour savoir si c'est de l'info ou si c'est de l'intox, nous on écoute les Rembrandts, très 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 bien placés sur la playlist de Double Jeu. Prétendant au trône de Slovaquie, interdit de séjour par Václav Havel, est-ce de l'info, est-ce de l'intox? C'est à toi de jouer, Charles. Je dis que c'est de l'info. Tu dis que c'est de l'info, toi? Oui. Ouais, pourquoi? Je sais pas, c'est mon intuition. Ah, toujours l'intuition? Oui. Ouais, jusqu'à présent, ça n'a pas tellement réussi. Marché, non, non, mais tu continues. Continue. Et toi, Charles? Je dis que c'est de l'info aussi. Tu dis que c'est de l'info? C'est voilà, vous êtes d'accord tous les trois. Ouais. Jeanne Moreau, qui est quand même déjà à deux couplets. Nous a dit que c'était de l'info. Donc, tous les trois pour l'info. On écoute l'expert Philippe Guérin. Écoutez, Jeanne, je crois qu'on s'achemine directement vers la compilation des œuvres de Jeanne Moreau, à la fin de cette émission seulement, puisque c'est totalement, totalement, totalement de l'intox. On applaudit. On applaudit Philippe Guérin, qui fait des sujets. On y croit. Enfin, vous y croyez apparemment. Ben oui, la preuve. Alors Laurent, quel est le score? Le score, on s'en fout, c'est Bronson qui va gagner. Enfin, oui, c'est... de toute façon, tu as raison Laurent. 2-1 pour le cow-boy. Et ça fait 3 couplets pour Jeanne Moreau. Philippe, est-ce que tu as un commentaire à faire?
Oui Thierry, c'est de l'intox, tout dans ce sujet, absolument tout est faux, les photos, le faux prince qui entre parenthèses est un vrai noble mais français. Nous avons trouvé l'un des seuls pays de l'Est à n'avoir aucun prétendant. La Slovaquie est en effet le seul pays de l'Est à ne pas avoir été une monarchie dans son histoire. Thierry, excuse-moi, mais ça n'est pas moi qui ai inventé la Slovaquie. Bon, on l'applaudit, Philippe Guérin. Bravo. Alors, maintenant, on peut le révéler, oui. À ce stade de l'émission, votre mère était danseuse ici, Jeanne. Ici même, oui. Aux Folies Bergères. Vous étiez venue, donc, quand vous étiez petite. Mais non, pas du tout. Elle n'était pas encore enceinte de moi. Ah. Elle a dansé ici pour la première fois. Elle avait 18 ans. Oui. Elle faisait partie de la troupe des Tiller Girls, qui accompagnait Joséphine Baker quand elle a débuté ici. Mm-hmm. Moi, je suis arrivée après et j'ai interrompu la carrière de ma mère. Et c'était un sujet tabou à la maison. On n'en parlait pas? Non, jamais. Ma mère m'en parlait plus tard, m'en a parlé plus tard qu'en cachette. Et puis, en fouillant dans les affaires, dans l'armoire, j'ai trouvé une espèce de vieille boîte. Et dedans, il y avait des photos sublimes de maman, danseuse. Et alors, quand vous êtes arrivée ici tout à l'heure, vous êtes venue ici pour la première fois. C'est la première fois? La première fois que je mettais les pieds ici. C'est pas mal, hein? Ouais, c'était très touchant. Votre père, lui, était restaurateur, oui. Paul Moreau. Il avait un restaurant à Montmartre. Oui. Qui s'appelait La Cloche d'Or. Oui, il a, avec son frère Arsène. Mais il a vécu assez tard pour voir votre succès, puisqu'il était avec vous à la Gare Trenet. Oui, mais il était épaté, comprenait pas pourquoi. Oui, oui. Bon, il était très fier quand il venait au spectacle, par exemple. Toujours, on le plaçait au deuxième rang, ce qui me désolait, parce qu'il s'endormait au bout d'un quart d'heure. Mais avant de s'endormir et de ronfler comme un sonneur, il prenait le temps de dire « Eh oh, c'est ma fille, etc. » Puis après, il dormait. Et puis, quand il voyait les films, il disait « Mais c'est dégueulasse. Tu te laisses embrasser par Gabin, ce vieux con, il pourrait être ton père. » Vous voyez, c'était intéressant comme commentaire. Et il était fier, mais en même temps, il ne comprenait pas. Ah, lui, oui. Ce qu'il a réconcilié avec moi, c'est que je suis une très bonne cuisinière. Voilà. Donc il voyait que je savais faire quelque chose de mes 10 doigts. Dans le restaurant de votre père, vous ne travailliez pas du tout. Vous n'étiez pas, pas la main à la pâte. Non, mais il y avait une cousine de mon père, Julienne, qui était une femme épatante. J'ai connu des femmes vraiment formidables. Et qui avait une auberge. Et je servais les pourboires. Ah ben justement. J'avais des pourboires. Alors vous me faites un enchaînement formidable. On va regarder le Baffy Show, une histoire de bistrot. Qu'est-ce qu'elle veut la petite dame? Des cafés crème légers. Un grand café crème léger. Et trois sucres. Trois sucres. Et un verre d'eau. Et ouais. Un verre d'eau et demi. Non. Et une tartine. Une tartine. Un café crème, un verre d'eau. Un déca crème. Un verre d'eau, une tartine. Vous avez une ordonnance? Il n'y a plus de tartines. Ah bon, non, vous voulez une entrecôte? Non, merci, je n'ai pas les droits. Ah. Je suis en régime. Vous voulez un bout de cake? Non, non, merci. Qu'est-ce que vous allez prendre? Rien. Ben si, parce qu'il faut qu'on fasse du chiffre, nous. Non, non, non. C'est bon. Vous voulez que je vous parle un petit peu? Non, non, merci. Pas du tout. Ça va, vous, en ce moment, oui? Non, non, non. Parce que moi, j'ai des problèmes, là. Parce que j'ai ma fille, là, qui a fait une grippe. Vous savez, une grippe avec l'hiver, là. Et puis, je suis un petit peu inquiet parce que ça fait quand même 8 jours qu'elle n'a pas été à l'école. Le médecin n'est pas venu. Là, il est venu, le médecin. Ça va plus? Il est venu, mais on n'était pas là. Bon, on était sortis quand il est venu. Les enfants étaient malades et vous étiez sortis aussi? Oui, parce qu'on avait une soirée avec des copains dans une boîte d'échangistes. Ah bon. On était au Fornic Club. C'est des soirées lundi, vous connaissez? Non, non. Le Baffy Show! Alors Jeanne, vous vous êtes mariée la première fois, c'était en 49, avec Jean Richard. Jean-Louis Richard. Qui a changé son nom parce que ça ressemblait à Jean Richard. Ouais. Hein? Ouais. Et vous vous êtes retrouvée enceinte. Ouais.
Et en fait, le mariage a eu lieu la veille de l'accouchement. Un samedi, c'était gratuit, puis c'était juste avant. Hein. Ouais, c'était juste avant. Ce qui fait que le photographe, il a été obligé de... Bah, on descendait l'escalier, on m'avait prêté un grand manteau. Et je lui ai dit, oh, non, pas de photo. Il m'a dit, oh, mais madame, la tête seulement. Si vous n'aviez pas été enceinte, vous seriez mariée quand même? Non. C'est franc, moi. Vous avez eu un enfant, mm-hmm. Jérôme, qui a 42 ans aujourd'hui. Oui. Vous le voyez souvent? Je le vois en ce moment à peu près une fois par an. Ouais. Il vit en Californie. Parce que vous dites, j'ai eu un enfant, mais je n'ai jamais été mère. C'est dur à dire, ça, quand même. Non, pas du tout, je suis mère. Ce que je dis, je ne dis jamais pas... Jamais été maman, peut-être? Maternelle. Maternelle, maternelle dans ouais. le sens conventionnel. Ensuite, vous avez eu une liaison, je ne sais pas, secret avec Pierre Cardin. Oui. Et puis, vous vous êtes mariée pour la deuxième fois avec le réalisateur. Mais c'était un vrai amour avec, avec Cardin. Oui. Ça a duré combien de temps? Ça a duré plus de 4 ans. Ah oui. Et puis après, vous êtes remariée. Mm. Donc avec le réalisateur de L'Exorciste et de French Connection, William Friedkin. Oui, Bill. Vous êtes mariée parce que ça vous a touché qu'il vous demande en mariage. Oui, ça m'a beaucoup bouleversée. Ouais. C'est la première fois qu'on vous demandait en mariage, vous avez dit. En fait, oui. Oui. Et alors ce divorce, c'était quelque chose d'épouvantable. Vous parlez d'années noires. Le fait que j'ai accepté, je lui accordais une valeur un peu sacrée. Mm-hmm. Et j'ai souffert de cette disproportion entre mon désir et la réalité. Mm-hmm. Non pas que je me sentais responsable et non pas que je le trouvais lui responsable. Mais ça a été une douleur très violente et très profonde. Alors ça vous a coûté de l'argent en plus? Ça c'est pas grave. C'est pas grave, enfin vous n'étiez pas très au courant des banquiers, des avocats, tout ça, ou vous n'avez pas voulu être au courant? Non, c'est pas grave, c'était surtout la déchirure qui comptait. Vous dites, je ne pense pas dans ma vie avoir aimé un homme. Avoir été... Non, c'est pas grave du tout. Ah bon? Je le reconnais, je veux dire que la plupart des gens sont comme moi. On est amoureux, on est passionnément attaché, on repousse violemment. Ouais. Mais l'amour, l'alliance, ce que j'appelle l'alliance, c'est-à-dire un échange profond, désintéressé, un amour absolu, je ne l'ai pas connu. En tout cas, moi, je ne l'ai pas connu. Vous le regrettez? Oui, quelque part, j'espère le connaître avant de mourir. Bah oui. Mais peut-être que ce ne sera pas sous la forme que tout le monde peut imaginer. Mm-hmm. Bien. Maintenant, on va voir un sujet qui n'a rien à voir. D'accord. Ça va vous changer les idées, c'est consacré à la guerre. Ah oui, en effet. En janvier 1993, lorsque Douvres sera relié à Calais par le tunnel sous la Manche, l'Angleterre ne sera plus tout à fait une île. La Manche, qui a toujours préservé le Royaume-Uni des invasions, ne pourra plus alors jouer son rôle de rempart naturel contre l'ennemi. Le secret défense est maintenant levé et le Time du 11 novembre dernier révèle que le tunnel peut être inondé en cas de conflit. Au moment de la signature du traité, John et moi, on a eu vent d'un préparatif qui se faisait pour la défense nationale anglaise, qui a demandé un changement au plan du tunnel, mais nous ne savions pas quoi exactement, personne ne voulait nous dire, c'était un secret. Nous avons assisté auprès des gens à Londres, du ministère des Transports et des Défenses, sans rien avoir, jusqu'à récemment, quand je pense que le gouvernement anglais a voulu calmer un peu les inquiétudes du public anglais, de qu'est-ce qui se passerait au cas où il y a une invasion. Est-ce que quelque chose de sérieux a été prévu? Sur ordre du Premier ministre britannique, l'eau pourra s'engouffrer dans le tunnel grâce à une série de conduits reliés au fond de la mer. En quelques heures, la partie centrale du tunnel sera inondée, soit 13 des 37 km situés sous la Manche. Et selon le Time, c'est le 20 janvier 1986, le jour de la signature du traité sur le tunnel ferroviaire, que le principe d'un dispositif de sécurité fut adopté. Une destruction par l'arme nucléaire étant définitive, Tompkins, ministre de la Défense de l'époque, préféra le système d'inondation qui permet une remise en état ultérieure du tunnel. Mais le tunnel a-t-il une réelle importance stratégique? Pour le gouvernement britannique, il est très important de neutraliser le tunnel parce que c'est le meilleur moyen d'une occupation terrestre. Aujourd'hui, certes, on fait d'abord la guerre avec l'aviation, avec les missiles, mais il s'agit ensuite de concrétiser la victoire par une conquête terrestre. Et donc, couper le tunnel, c'est freiner une invasion. Mais rappelez-vous, ce stratagème a déjà été utilisé dans l'histoire. Alors, Moïse serait-il entré dans les services secrets britanniques?
tunnel sous la Manche, inondable en cas de guerre. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Jeanne Moreau à l'oreille. J'aimerais bien gagner une fois. Ouais. Ouais. Alors maintenant, pendant que vous cherchez chez vous pour savoir si c'est de l'info ou si c'est de l'intox, pendant que vous allez chercher une bière dans le frigo, nous on va regarder quelqu'un dont on a vu le fils, Arthur H, il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'est la balade qu'il a faite pour sa fille, Isia Jacques-Higelin. Peut-être ce qui m'a tire en toi n'est rien que l'autre vers, sans de moi, sans de moi. Où m'attendait la joue, vent, sel, caché derrière les portes du ciel. Rien de tout ce qui m'inspire en toi, pire en toi, n'est plus doux que le grain de ta peau, de ta voix, dont la magie provient dans ciel, m'en sorcelle. Aux portes du ciel. D'où viens-tu, ô ma tendre merveille, mon amour absolu, bercé par le flot des sortilèges et des rêves étoilés sous le grand manège enchanté. Peut-être ce qui me relie à toi, lie à toi, n'est d'autre que ce corps, don de soi, don de soi, que tu m'enroules autour du cœur, pour l'empêcher de courir, se faire prendre ailleurs. Et si tout ce que j'adore en toi dort en moi, je veux que tu le réveilles en moi, veille en toi, pour que de la terre au soleil, des pluies de nos caresses, naissent un bel arc-en-ciel. Jacques-Higelin, balade pour Isia. Alors, le tunnel sous la Manche, inondable en cas de guerre, est-ce de l'info, est-ce de l'intox? C'est à Charles de jouer, à ton avis. Je dis que c'est de l'intox. Tu dis que c'est de l'intox? Tout a été calculé depuis longtemps. Ouais. Et toi, Charles? Moi, j'ai dit que c'est de l'info. Alors, je peux le dire maintenant. Ouais. Jeanne m'a dit que c'était de l'intox. Ouais. Ah, on va voir si vous avez chanté toute la chanson ou seulement trois couplets. Philippe! Jeanne, je crois que vous faites une quinzaine d'émissions avec nous et vous allez être très très forte à ce jeu-là puisque vous avez gagné. Bravo! C'était de l'intox. Bravo! Bon, alors... Vous êtes obligée de nous exécuter, Jeanne. Vous allez nous chanter la chanson que vous voulez, elles sont toutes bien. J'aime ton odeur, ta saveur, Léon. Oui. T'es pas beau, Léon. Oui. T'as les cheveux longs. Mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, Léon.
Je ne suis pas jolie, jolie. Nous ne sommes pas beaux, beaux, beaux. Mais contre toi, moi, je grille. Tu me fous le feu à la peau. T'as peut-être pas des bras d'athlète. T'as peut-être pas le torse velu. Mais j'adore tes mirettes. Chaque fois que tu me dis que tu m'as dans l'Apoléon, dans l'Apoléon. Bravo! Bravo, Jeanne. Vous avez du bon vous en souvenir aussi, vous avez une très bonne mémoire. Alors, Laurent, quel est le score final? Eh bien, la surprise générale, c'est Charles Bronson qui a gagné, le cow-boy, 3 points à 1. Ah, on applaudit Bronson, bravo, le cow-boy. Bravo, bravo. Alors Charles, tu prends ton petit téléviseur, tu vas regarder tous les cadeaux qui défilent et tu vas me dire celui que tu veux. Le mini-téléviseur Philips à cristaux liquides multistandard, Palsecam, 69 programmes mémorisables. Merci, bravo, on t'applaudit. Bravo. Et alors pour toi, l'intégrale de 37.2, à mon avis, tu vas continuer la nuit. Merci. Tout à fait bien. On l'applaudit aussi. Merci. Bravo. Bravo. Alors, vous vous êtes fait psychanalyser à un moment de votre vie. Mais est-ce que vous êtes confessée dans votre vie? Ah oui, quand j'étais petite. Vous en gardez un bon souvenir? Pas terrible, non. Aïe, aïe, aïe. Je crains pour moi, alors. Ah ben maintenant que je suis plus grande, ça va être intéressant. Bon, bon, on y va, alors. Interview confession, Jeanne Moreau, mesdames, messieurs. Au revoir. Quand vous étiez petite, vous avez réellement voulu être religieuse? Oui. Je devais avoir 5 ans. J'étais frappée par le rituel, l'égalité d'humeur. C'est-à-dire que dans la vie à la maison, c'était plutôt en dents de scie. J'aimais la musique, j'aimais l'ordonnance, voilà. J'aime beaucoup la rigueur. Quand vous dites « j'ai un maître intérieur », de qui s'agit-il? Je veux dire qu'à partir du moment où on n'est pas perméable comme une éponge et où on ne se laisse pas influencer par tout ce qui nous entoure et qu'on ne vit pas que par rapport au regard des autres, mm-hmm. au jugement des autres, cette voix-là s'exprime. Vous avez toujours préféré le terme sensualité à sexualité. Vous êtes oui. un peu anti-sexualité, enfin au moins d'en parler, disons. Non, parce que je laisse au rapport des corps une dimension divine. J'ai trop de respect pour tout individu, tout être humain, à commencer par moi, pour considérer que le corps est un morceau de viande et quelque chose qui se défait, qui pourrit. Et le rapport et la jouissance, le rapport des sens et la jouissance donne une idée plus précise de l'extase que simplement un orgasme, un coup de queue, comme disait mon analyste, qui laisse pas grand-chose. Vous avez dit, nous sommes autre chose que de la matière. Oui. Vous croyez en Dieu? Le terme « croire » est un terme profane. Ça a à voir avec la crédulité, je ne crois que ce que je vois. J'ai une sensation très exacte de quelque chose de magnifique. Vous croyez en l'âme? L'esprit, oui. Quand vous dites on vit seul et on meurt seul. La solitude n'est pas une horreur épouvantable. C'est quelque chose d'exaltant. Parce que la solitude ne veut pas dire être isolé, ne veut pas dire être séparé des autres. C'est être avec les autres. Et si je suis consciente de ma solitude, je peux encore mieux comprendre celle des autres et la souffrance de ceux qui ne la supportent pas bien. Merci, mademoiselle.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Antenne 2 et Philips, l'inventeur du compact disque, vous ont présenté Double Jeu. À la semaine prochaine.